Bien, alors je voulais parler maintenant d'un autre secteur qui est pour moi un petit peu, qui a un rapport avec le masque neutre, c'est la recherche de son propre clown. Mais il ne faut pas l'entendre dans le clown traditionnel du cirque, qui arrive maintenant et qui n'existe plus, et qui est entouré de toute une littérature sentimentale, mais la recherche de nous-mêmes par son clown. Car au fond, il y a un enfant qui a grandi en nous et qu'on ne peut plus exprimer dans les rapports sociaux. Il était avec nous lorsqu'on était petit, mais ce n'est pas l'enfant qui est en nous, c'est l'enfant qui a grandi en nous, avec ses gestes propres, avec sa voix propre, et qui nous sont extrêmement personnels, et que nous livrons de temps en temps aux amis, dans Wenn des soirées où nous sommes plus libres, et tout seul à la maison, chacun de nous a fait un jour un geste, là c'est les miens, et a fait... Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça sorte. Et c'est ça à faire ressortir et qui va donner au clown représenté une valeur humaine sensible. Alors on s'aperçoit du reste que notre propre clown, c'est nous. C'est le plus nous, plus que nous. Alors lorsqu'on a senti ça, alors on va trouver cet humour nécessaire pour aller plus loin. Alors si on ne peut pas être sérieux, s'il n'y a pas une dose d'humour. Alors je peux continuer à parler du clown, sans faire de gros efforts personnels, parce qu'au fond, on y est presque. Alors il y a des gestes que je ne vous montre pas parce que je suis en état de démonstration, mais c'est un état d'ouverture et de naïveté et très direct, très démuni, très sensible. Au recevoir. Et ce clown-là est un clown qui est très proche du bide, comme on pourrait appeler, du dérisoire, c'est-à-dire d'acceptation de son dérisoire, acceptation du bide, c'est-à-dire de louper quelque chose, ce qui fait qu'il a une résonance sensible. Alors, voyez-vous, on peut dire que le masque neutre, c'est un masque de référentiel, de référence, de dénominateur commun de pas mal de choses, c'est-à-dire là où tout le monde peut se rencontrer, c'est l'homme. C'est pas Monsieur Dupont, Monsieur Smith ou Monsieur... Müller. C'est l'homme. Hein? Ça, c'est Monsieur Müller, mais pas Monsieur Müller, voilà. Mais ça, c'est Monsieur Müller qui n'est pas sorti, celui-là. Alors, on vit d'abord, on est trois. On n'est pas seul, on est trois. C'est quand même un contentement. Hein? On est déjà à trois, au départ. Et ça, c'est très intéressant. Et dans le rapport, alors, dramatique, c'est de trouver, évidemment, ses appuis, ici, sur soi, sur ça, soi, de manière à enrichir le personnage futur. Évidemment, là, je parle en pédagogue beaucoup plus qu'en représentation. Alors maintenant, j'en arrive un petit peu à la fin et à la conclusion. C'est-à-dire que l'intérêt qu'au fond de toutes les expressions, qu'elles soient dramatiques, gestiques, qu'elles soient plastiques, architecturales, musical, il y a des dynamismes, comme si au fond des gestes, il y avait encore des gestes, et ces gestes s'exprimant peuvent le faire soit par des mots, soit par des couleurs, soit par une architecture, soit par le mime, soit par le théâtre ou le verbe. Il y a un fond gestique en puissance, car si on gratte, on va trouver que du mouvement. On va trouver des tensions, des détentes, des explosions, des rapports d'espace, des matières, et c'est sur ça que se construisent les expressions vivantes. Si on ne passe pas par ce fond commun-là, la forme qui sera issue est morte. Et c'est ainsi du reste que dans le langage actuel, dans les mots ne portent plus du tout leur sens. C'est pour ça qu'on les jette. On ne sait plus quoi dire, et que si on dit un mot, l'autre l'entend mal. Ou entend autre chose. Alors, il faut quoi faire ? Ben, retourner à la source des mots, à ce silence du dessous
qui permettra peut-être d'en trouver d'autres ou de rajeunir les mots utilisés. Et là, je pense que le mime, dans son idée, dans sa forme silencieuse, est à l'ordre du jour, mais dans sa forme silencieuse, non pas dans la parodie du mot. Voilà, alors j'ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Là, vous voyez un masque dit neutre. Le mot est difficile, neutre. Ce n'est pas comme la Suisse. C'est un masque du calme, qui n'a pas de passé. On retrouve ce masque-là, enfin l'état de ce masque, au Japon, dans le masque de la jeune fille, et en Afrique aussi, dans le masque du calme en Côte d'Ivoire. Il est pour moi la base de tous les masques, et il sollicite le jeu même du masque, c'est-à-dire, c'est antipsychologique. Si je vous regarde comme ça, ou comme ça, ou comme ça, le masque ne veut pas répondre. Si je vous regarde sur le côté, le masque dira... C'est-à-dire que le masque va m'obliger à jouer de toute ma tête, avec les yeux à l'intérieur de la face, et au fond, ce sont mes yeux qui deviennent ma tête. Alors, mettre un masque, ça se met comme ça, et c'est un état. Alors, on va tâcher de lancer le masque dans le public, pas par l'objet, lancer l'espace du masque. Et en dessous, il n'y a rien. Il y a un état de vibration, il n'y a aucun sentiment, mais une émotion qui est au fond l'émotion de la présence. Une sorte de vibration qui fait que je m'appuie sur l'espace qui n'est pas un vide, mais en état de calme. Et c'est à partir de ce masque-là que nous pouvons ensuite appréhender la nature et ses rythmes pour être disponibles à la rencontre. Ce n'est pas les scouts qui regardent les arbres en regardant le manuel, en disant quoi, c'est un tilleul ou un chêne. Ce n'est pas ça. L'arbre, c'est l'arbre. C'est d'arriver à sentir les choses qui nous entourent, la nature en particulier, dans ses rythmes les plus forts. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il n'y a rien. Il y a ce rien qui est tout. C'est-à-dire cet état d'équilibre, de présence, c'est même fatigant à le porter comme ça, c'est je ne fais pas rien, mais il n'y a rien. Donc il y a un état d'équilibre. Alors là, j'ai essayé dans un geste très très simple d'essayer de prendre l'espace au filet. Imaginez que j'avais un filet et je fais ça et j'entoure la salle avec un filet. Du reste, c'est difficile à faire dans une salle comme ça, parce que je dois imaginer un autre plafond. Il est trop bas. Pour mon geste, il est trop bas. S'il y avait un plafond plus haut, hein, donc l'architecture arrive là. Hein. Là, c'est des plafonds qui sont faits pour toucher, comme Le Corbusier, le modulor non, de l'homme là. Mais le lancer n'est pas possible. Si je lance mon filet, ça fait ça, bing, bam, ça tombe. Voyez-vous ? Il faut donc le chercher dans un espace imaginaire. Vous pouvez bien imaginer qu'on est ailleurs, dans le métro, on le fait souvent. Hein. Bien. Alors, je travaille beaucoup sur la nature, sur les rides de la nature, sur la mer, sur la terre, le vent et toutes ces choses-là. Et le plus important, c'est l'état de surprise auquel cette neutralité de départ nous porte. Imaginez que je traverse une forêt, comme ça, bon, et à un moment, je me trouve en face d'une montagne.
Alors, il faut rejouer la surprise en nous, c'est-à-dire avoir cet état d'innocence pour pouvoir être surpris. Il y a presque trois états qui arrivent. L'état de surprise, c'est-à-dire je continue, je ne sais pas qu'il y aura là. Je découvre. Et si je veux monter sur la montagne, je ne peux pas y aller comme ça. Je suis obligé de prendre une attitude, d'accepter la montagne, d'être prêt. Et quand je suis prêt, je peux monter. Alors souvent, on voit chez mes élèves des gens qui font ça, qui téléphonent et font la montagne. Et vous ? Donc la surprise, il n'y en a pas eu. Ils savaient avant. Bon, il y a ça. Qu'est-ce que l'on voit aussi ? C'est qu'ils sont là, bon, ils voient la montagne et ils commencent à monter. Alors on les voit monter avec une forêt dans le dos. Parce qu'ils n'ont pas été disponibles à l'image. Donc l'image que je vois me transforme. Donc ça existe dans la nature, évidemment, Jousse l'a très bien expliqué, hein, ce côté de cette spontanéité, justement, mimique. Là, nous l'exprimons, parce qu'on doit avoir aussi un côté d'expression pour l'activité que j'ai. Mais l'important, c'est que l'impression est plus importante que l'expression. On peut très bien recevoir par le corps un mouvement et le reproduire par la peinture, reproduire par l'architecture, pas simplement pour faire des gestes. Le geste du dedans, on ne le voit pas. C'est le meilleur. Et vous ? Alors, on arrive là aux identifications. Par exemple, on va prendre l'arbre, si vous voulez que... L'arbre. Alors, on dit aux gens, voilà, vous allez bien penser à l'arbre et puis tâcher d'être un arbre. Alors, ce que l'on voit souvent, on voit des gens qui sont posés au sol, qui ne sont pas plantés du tout. Et je suis un arbre, ils disent. Oui, mais je suis un arbre. Non, je suis un arbre. Pas un arbre, un arbre. Non, un arbre. Hein, un arbre. Et dans le mot dit, dans le geste fait du dedans ou du dehors, la sensation de plantation doit être présente. Alors on essaye de sentir comment on est planté. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande fracture dans le corps humain. C'est au niveau de là, une séparation très grande entre le bassin et le plexus. Alors les gens se mettent en baïonnette, ils sont plantés dans le bassin, mais ils ne sont pas plantés là. Alors on va essayer de leur faire sentir que le sol et la racine, ça s'enfonce. De manière que ce mouvement qui descend vers le bas produit la dynamique d'un autre mouvement qui monte vers le haut. Il y a toujours deux mouvements contraires dans la dynamique. Alors il y a deux sensations. Il y a la sensation qui vous pousse en bas, qui vous tire en bas, hein, et la sensation qui vous pousse en haut. Ça, c'est très intéressant pour l'attitude même humaine. Hein, parce qu'au fond, un arbre et un humain, c'est très très proche. On est plus près d'un arbre que d'un animal, des fois. Alors, je suis tiré en haut et en bas. Alors, je vais m'aider de la première image de l'arbre avec les bras branches. C'est l'image, si vous voulez, typique, la plus... Mais en tous les cas, je vais essayer... De prendre ces deux sens, très léger les mains, c'est-à-dire de prendre la sensation de tirer, mais pas à mort, hein, de tirer en haut, d'être tiré en bas sans décoller, c'est ça. Et en sentant ici le côté tout léger, non ? C'est ça qui est formidable dans un art, c'est tout léger ici, donc fragile, non ? Et vous, c'est... Hein, vous, c'est rien, bon. Et de l'autre côté... C'est ça tient en bas. Hein? Et vous allez le faire bouger. Voilà. Hein? Alors, il ne faut pas se tromper dans les mouvements. Hein? Le mouvement d'un arbre, il provient pas de vous. Il provient de l'extérieur, du vent. Alors... C'est-à-dire que fond, c'est pas possible de faire ça. Hein? Ça, c'est un animal. Et vous devez donc recevoir le vent. Hein? C'est ça. Et vous revenez et élastique. Hein? C'est ça. Et n'oubliez pas que dans un arbre, c'est technique aussi, que c'est pas que d'un côté. Même s'il y a le vent qui rentre dans un arbre, il vrille.
il vrille, il tourne. Et les arbres, souvent par grand vent, on le trouve vrillé, vous savez. On dit, tiens, c'est un arbre vrillé, parce qu'il y a trop de vent. Et cet arbre-là, on ne peut pas l'employer pour faire des planches. Non, les menuisiers ne veulent pas, parce que tout se tord. Hein. C'est ça, léger, bien tendu, tu vois. Ça peut être... Je joue avec elle. Voilà. On va se mettre à quatre pattes, encore une fois, donc en attitude quadrupédique. Allez-y. Prenez de l'espace. Et comment va s'asseoir une vache? Allez, dites-moi ça. Comment s'assoit une vache? Vous le faites. D'abord, il faut bien se rendre compte de quel côté ça se plie. Oui, il n'y a pas beaucoup de ruraux, je vois. Hein, ça reste... Ron, tu vas nous montrer ça? Alors, regardez. Alors, bien la quatre pattes ici, un peu plus large entre les pieds. Alors, la vache s'assoit comme ça. Là. Là. À genoux et... Non, à genoux d'abord. À genoux et... Boum. C'est-à-dire que quand on a une vache, elle n'a jamais les pattes comme ça. Hein? Les pattes se plient comme ça. Hein? Alors, ce qui fait qu'il y a trois mouvements. Il y a, alors, tu remontes. Il remonte par les fesses. Il remonte par les jambes. Là, et ensuite, voilà. Voilà tout le travail qu'a fait la vache. Hein? Et le côté de la création est mis en jeu. Et beaucoup, beaucoup vont peut-être aussi... Beaucoup ont écrit après l'école. Mmh. Hein. Pas tout de suite, mais beaucoup ont écrit. Et des gens que je ne soupçonnais pas et ont écrit. Ne serait-ce que la première équipe de l'école, je dirais que c'était le début. Mmh. Mais sur les 12 qu'il y avait, il y en a 11 qui écrivent. Mmh. C'est formidable. Mmh. Parce que ça... Bon, je ne dis pas qu'ils ont écrit parce qu'il y avait l'école, c'est pas ça, mais le fait de venir dans une école comme ça, c'est aussi d'avoir une idée de création. Ça, je veux dire. Parce que comme ce n'est pas pour un théâtre avec un produit immédiat, on n'est pas dans le courant normal du théâtre comme il est, alors c'est très difficile pour eux. Hein, c'est vrai. Mm-hmm. Mais là, ils ont à défendre des propos, enfin, qu'ils ont des propos, pas ce que je dis, évidemment, mais des propos qu'ils ont sentis comme intéressants, de manière qu'ils puissent les défendre. Alors... Non, mais non, ce que je voulais dire, c'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai que cette école n'est pas dans le courant dit normal, heureusement. Mais... Je me demande, moi, si ça existe, quoi, une formation pour le courant normal. Parce que, à la limite, on a l'impression que le courant normal va être complètement déformant, justement. Complètement. On a fait un essai sur les textes de tragédie, là. Ils ont fait un chœur en parlant très bien. Et en chœur, il y avait une voix assez très unie, non? Si je me souviens bien de la chose. Avec des gens venant de régions tellement différentes, de cultures tellement différentes, mais s'ils sont unis par quelque chose de plus fort que ce qui est simplement le discours, à ce moment-là, évidemment, le discours ne quitte son discours pour autre chose. Ça, c'est le problème qu'on a pu voir ici.
Oui, mais il y a le fameux discours sur les choses, c'est-à-dire on parle, on fait l'analyse des choses avant de faire la chose. Absolument. Alors l'analyse, la critique, la destruction, le troisième degré. Alors il y a l'innocence qui est perdue complètement. Alors l'innocence est compris comme une bêtise ou une connerie, alors que c'est d'être ouvert à l'événement, mais ça c'est autre chose. Et même je le sens aussi avec les universitaires, c'est pareil. Parce qu'ils me font le discours de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ils font la critique ou l'analyse de quelque chose qui devrait être fait, mais qu'ils n'ont pas fait. Alors pour ça, moi je dis, je n'écoute pas ce que vous dites, je regarde comment vous vous comportez. Parce qu'ils arrivent à faire des discours, enfin on les connaît, on a souvent parlé nous de ça. Enfin, on ne parle pas tellement, je ne pense pas, en deuxième année de tout ça. Mais à l'arrivée des gens, ils veulent comprendre. Alors moi, je dis, il n'y a absolument rien à comprendre, d'abord. Il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est clair. Non, à un moment, alors on s'énerve, on polémique, on lui dit, vous êtes agressif. Il ne ment pas, il n'y a rien à comprendre. Non, mais... Quelque chose de durée aussi, parce que quand ils ont passé par exemple deux ans ensemble, avec les heures, avec tout ce qu'il peut y avoir entre dans un groupe comme ça, ils sont forgés quand même à quelque chose, parce qu'ils continuent à être ensemble. Donc ils défendent quelque chose où ils sont bien ensemble, même si dans la vie privée ou tout ça, autre chose. Là, ils apprennent à être professionnels dans ce sens-là. Dans un stage de courte durée, il y a l'illusion, évidemment, c'est un peu comme des vacances. Hein. Un stage est tellement court que tout le monde s'embrasse, on s'écrira pour l'année prochaine, on se revoit l'année prochaine comme dans les vacances. Il n'y a pas eu la crise. Mais en deux ans, il y a les crises. Et il faut que l'école assume les crises. Il y a les crises, les blocages, il y a tout ça. Alors tout le travail, ça va être de passer les obstacles. Mais je n'ai pas... Moi, je n'ai pas eu l'impression d'être dans une jungle. J'ai eu l'impression d'être dans un monde où la création est très fragile et où, quand même, effectivement, tout est fait. On est très envenimé, enfin, je dirais, empoisonné par une mauvaise idée de la création. Enfin, on croit vouloir créer. En fait, on a toujours tendance à vouloir empêcher de créer. Mais quand tu disais, il faut quelqu'un qui soit là. Oui, bon, ça, c'est Gracie. C'est Gracie qui disait... Et les comédiens changent, il piccolotaire de la città di Milano resta. Oui, c'est-à-dire il y a une sorte de grand bateau. En fait, non, c'est ça, c'est-à-dire le tête du soleil, c'est les gens qui sont là aujourd'hui. Eh oui. Oui, ça fait d'ailleurs des choses douloureuses, parce que les anciens qui partent se disent, mais alors ça continue sans moi. Ben oui, mais en même temps, c'est grâce à ceux qui ont été là aussi. Il n'y a rien à renier, mais c'est un présent. Je suppose qu'une école aussi, d'ailleurs, c'est un présent. Parce que moi, on m'a dit, ça fait combien de temps que vous faites l'école? Je suis quand même maintenant 28 ans. Oui. Alors, on me dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? L'école? Oui. Ah, pour eux, bon, comme si à chaque fois, ce n'était pas nouveau. Alors, c'est la même chose, parce que les gens s'en vont. On voudrait partir, nous, avec les... au bout de deux ans, on voudrait partir avec vous, moi. Je fais compagnie, non? Alors, oui, mais c'est dur après, parce qu'à un moment, on perd des choses à qui on s'est, des gens à qui on s'était attaché. Alors, heureusement qu'il y a la vague nouvelle qui arrive, et on repart. Et vous? Et oui, il y a ça aussi. Dans tous les cas, une chose aussi qui est importante, tant que je ne sais pas qui, c'est pas Ariane qui parle, c'est moi. Mais c'est important aussi que même s'ils ne font pas de théâtre, ils ne seront pas ratés là où ils sont. Ça, c'est très important. Pour moi, alors ça, je défends ça aussi. Ils ne seront pas ratés là où ils seront. S'ils ne font pas de théâtre, s'ils choisissent un jour. Quelqu'un m'a dit, j'ai fait de la peinture maintenant, formidable école. Il y en a deux qui sont pasteurs aussi. C'est formidable l'école. Mais c'est important aussi parce qu'on ne voit que ceux qui réussissent et les autres, alors on les élimine. La raison de ma venue ici, c'est que j'ai pas mal d'anciens élèves qui participent à l'événement de cet anniversaire, dont les Volksbahn Théâtre de la première génération. Et j'ai été invité pour
pour participer à cette fête. La jalousie, l'envie, la vanité, tous ces grands sentiments-là habitent continuellement tous les êtres humains. Et ils sont reliés par une chose essentielle qui est cette, justement cette nature humaine qui les confond ensemble. Mais on est obligé, avec des cultures différentes, de trouver des urgences, des choses essentielles, valables à tout le monde. C'est ça. Donc ce n'est pas local. Écoutez, ce que je m'aperçois, c'est que ces acteurs qui sont nés avec la comédie de l'art, avec le masque, avec l'improvisation, ont tout à coup attaqué les grands textes du répertoire, avec Shakespeare et maintenant avec Molière, et qui retrouvent ce quelque chose d'authentique qui existait dans Shakespeare et dans Molière, et que petit à petit, bon, le théâtre un peu dit traditionnel a perdu. Oui, mais à chaque fois, justement, qu'on essaye de rentrer dans l'hyperpsychologie, dans l'hyperréflexion, où on parle sur le théâtre sans en faire, il faut retrouver les premières sensations de la vie telle qu'elle est, la vie la plus près du réel. J'aime beaucoup les quincailliers parce qu'ils sont arrivés à créer des formes dans la quincaillerie. Ça, c'est important. Des formes avec des gestes humains qui sont liés dedans. Et ça, c'est très, très important. Il y a deux choses, la vie quotidienne et puis la nature. La nature dans sa violence, dans sa vie, c'est très important. Moi, c'est d'abord planter dans le réel de la vie et puis ensuite d'élever les niveaux du jeu, de trouver une transcendance, c'est-à-dire plus le réel est lié à quelque chose de plus universel, de plus au cosmos, on pourrait dire, ah, c'est formidable. C'est-à-dire l'abstraction est dans le réel. Mondrian, c'est très réel. Mais il va falloir trouver, évidemment, à essentialiser le réel pour arriver à trouver la structure même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une école qui n'est pas une école purement basée sur une forme, il peut y avoir des spectacles extrêmement différents, des styles différents qui s'élaborent. C'est une école de création au départ, mais la création appartient aux élèves. Moi, je suis un provocateur de création. Il y a un creuset à l'école d'échanges entre des gens différents, de cultures. Et au fond, les gens à l'école apportent leur époque. Pas besoin de professeurs à des jeunes près de leur époque. Ils portent eux-mêmes leur époque. Et c'est aux professeurs de pouvoir leur donner des permanences, des choses qui ne changent pas, qui ne vont pas dater parce que le théâtre change. Non, il y a des fondements et on ne les trouve que dans la vie. Voilà. Alors l'art, la partie artistique, c'est une transposition qui prolonge la vie. La vie n'est pas suffisante pour un artiste. Il en crée une autre, plus belle pour lui et pour les autres aussi. Ah, ça prend une importance, mais dans le détail, non? Il y a des sons qui arrivent, non? Ah, il y a une musicalité. Comment ça sort? On attrape un jeu qui fantastique un peu. C'est pas naturaliste. C'est plus que naturaliste. C'est aussi jouer sur l'espace. La manière dont je mets le terrain change tout. Je suis en l'air. Si je mets mon béret beaucoup plus à l'intérieur, rural, je suis limité. Je suis élégant, je peux le mettre comme ça aussi. Chevalier. Je peux mettre aussi heureux. Et voilà. Pourquoi ça change ?
parce que dans l'espace, il est comme un grand mobile. Et suivant la position, tout change. Les obliques, les verticales, les hauteurs. Et ça bouge dans l'espace d'une manière géométrique, comme s'il y avait une grande structure qui organise les passions et les sentiments humains. Voyez-vous ? On pourrait en faire une architecture, on le fait du reste quand on travaille à l'école, on construit dans l'espace les sentiments humains, les jalousies, les passions, et on s'aperçoit que c'est tout organisé comme un grand mobile. Il suffit d'avoir très peu de différence, et où ça par exemple, c'est quelque chose, mais si je fais ça là, ça change tout, ça change tout. Il suffit de peu de choses pour que toute la personne change. Et ça, c'est très important dans le jeu du théâtre. C'est comme si je prenais un cadre. Ouh là, je revois mon béret. Je revois ici. Je revois là. Enfin, voilà tous les angles de la chose. Mais si je m'abstrais, il se produit dans l'espace des angles qui vont faire jouer tous les sentiments et toutes les passions humaines. Voyez-vous ? En dehors d'un visage. Et ça, c'est l'abstraction de l'expression du mouvement. Et ça va jouer quand une maison est comme ça. Hein? Je suis sous une maison comme ça. Je subis ça. Si c'est comme ça, je vais aller dehors. Si c'est raide comme ça, je me cogne. L'espace va jouer avec le mouvement. Si je donne une optique à la chose, voyez-vous, cette forme-là peut jouer en fonction des obliques qu'elle présente. Elle peut descendre avec une certaine vitesse, faire ça, hein, aller là, tourner. Et par rapport à l'espace, la structure va jouer. Voyez-vous ? Alors là, on arrive à l'architecture du mouvement, avec un grand L. C'est-à-dire que tout bouge par rapport à ces lois de mouvement qui sont inscrites en nous, dans nos passions mêmes. Le calme, il n'est jamais au centre. On y descend, au calme, on y descend. Et ça tourne, dans le hein, mais jamais on y reste. On ne peut pas y rester, c'est l'angoisse. Donc il y a un mouvement comme ça qui était perçu là, qui était un peu larvaire ici, qui est là, qui était un peu plus agressé, un peu plus volontariste. Hein. Alors là, c'est un os. C'est un osselet. C'est parti de mammouth qui est tombé. alors, ici, là, le calme, c'est trop fort pour le calme. C'est une dynamique, comme on a vu tout à l'heure, le Michaud qui devenait Artaud. Hein? C'est un petit peu le calme qui devient autre chose, là. C'est un calme puissant, un calme. Mais il y a une certaine dynamique dedans qui est parallèle à la dynamique de la marche. Ça, ben alors c'est, il y avait une forme originale avant, non? Oui. Et puis il y a la main du diable ou de Dieu qui a fait... c'est resté. Mais il y avait une forme avant. Et on voit que c'est un mouvement qui est produit à l'intérieur, et c'est pas un mouvement qui se tord de lui-même à l'intérieur, qui dit « je me tords moi-même ». Mais bon, il a été tordu. C'était tordu comme s'il y avait une volonté de le faire. Donc il y a une forme d'origine qui a été maltraitée. Alors là, c'est les fesses jumelles, hein? Fessothérapie. Alors là, c'est jumelles. Alors là, c'est vraiment le tchac, hein? Il y a un côté violent. Qui l'a fait ça? Hein? C'est pareil. Alors le calme, bonjour, bonjour. Parce que c'est autre chose, c'est presque, je pousse là un peu, et on lui dira, c'est une violence sur ça, et ensuite, il est calme. Oui, donc c'est exprimé pour ressentir un calme de réaction. Mais bon, ce qu'on va faire aussi qui est amusant, on va faire l'âge des formes. L'âge des formes. Et s'il y a des formes jeunes, des formes plus vieilles, des formes qui virent, quelle serait la forme qu'on mettrait au milieu, la forme d'équilibre, la forme adulte?
on la mettrait là. L'arvère en devenir, un nain et là, un coup de vieux. Non ? Alors, quand il était l'arvère, il en a pris un coup. Alors, ça, quand il était l'arvère, il en a pris un coup. Alors là, là c'est les guerriers, bon, il en a pris un coup. Alors, il y a la voie parallèle. Il y a la voie parallèle. Ça, c'est ça fait plouf. Hein? Il avait dit tout quand, jeune. C'est-à-dire, c'est un jeune vieux. Avant de naître, il avait plouf. Donc, il est venu avant. Ça, c'est une autre famille. Ça, c'est les torturés. Ça, c'est les intelligents. Alors, là-dedans, c'est, ça se tortille un peu. Alors, c'est un larvaire qui en a pris un coup tout de suite de la sortie. Où tu le mets ? Vas-y. Avant. Voilà. Avant l'inondation. Voilà. Ça. Il y a un bassin qui peut sortir. Et quand il y a le bassin, c'est curieux, c'est une dynamique très proche de celle de la marche. Il y a un combat, 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 il y a un combat. Tandis que là, il y a une évolution plus. De plus calme quand même, non, même dans les mouvements d'évolution. Et là, alors, il y a les cousins qui ont un petit peu de ça et un petit peu de ça. Hein, c'est ça. Et alors, il y a la voix alors des signifiances. Bon, alors, tout ça, évidemment, ça ne passe, il n'y a pas de développement. C'est à l'intérieur. Il n'y a pas de développement, il faut retrouver, il faut retirer le décorum, imposer le costume, voilà. Tout ce qui venait parachuter de l'extérieur. Bon, au fond, ils ont tous fait la boule ensemble. Ils ont fait une boule, une boule, une boule, une boule, une boule qui l'a allongée un peu. Puis celui-là, bon, c'est décoré à l'indienne. C'est-à-dire que là, il y a un côté thérapeutique. C'est-à-dire, je donne un coup pour que j'aille mieux. Oui, c'est des acteurs. Voilà. Pas là. Là, il y a un côté costaud dedans. Mais alors, c'est un calme. Très qui fort. Roule. Hein? Oui, ça, c'est calme, oui, un calme en vélo, oui. Donc il y a une marche là-dedans. Bon, alors le calme, il va se trouver évidemment, c'est pas là. Hein. Il va pas se trouver là-dedans parce qu'il est représenté. On va le trouver là, et c'est peut-être ça autour de ça. Qui l'a fait celle-là ? Phébé. Hein, Phébé. Le grand calme. Hein. Oui, non, c'est très bien parce que c'est et puis c'est une chose pleine. Hein. C'est là, c'est celle qui est référentielle. Voilà. Alors on va élire là. Calme de l'année. Amusant, non, comme ça. Hein. Voilà, la grande mutation, c'est ça. C'est qu'à partir de là où les courbes sont en jeu, hein, quand les droites interviennent dans les courbes, alors ça commence à être intéressant. Pas se tromper. Il ne faut pas que ce soit une contrainte parachutée, mais que l'exigence des droites et des plans vienne de la forme. Alors là, il y a mutation, il y a un saut qualitatif, et au fond, comme la cristallographie naît de la matière saturée. C'est pareil, il y a un moment, il y a une décision de la matière, les droites interviennent. Alors, on peut trouver la cristallisation, le cristal de ça. Alors, c'est très délicat à faire. Alors, on peut limer, on peut trouver la chose. En restant dans la proposition qui devient à ce moment-là très organique au départ et qu'on termine en somme comme un cristal. On a vu aujourd'hui les gestes ondulatoires, c'est organique et vivant, et puis la mutation sur d'autres gestes qui luttent contre la nature pour être mieux qu'elle. Hein? Donc il y a la partie artistique qui arrive. On revient toujours à l'idée du mime. Je ne suis pas une école de mime. Oui. Tout acteur est un mime. Il faut bien faire attention à quel niveau on le place. Quand Picasso, par exemple, va dessiner son taureau, il a mimé en lui tous les taureaux qu'il a vus et qu'il a aimés. Et puis, il en a fait un condensé, une essentialisation, et grâce à son talent et à tout ça, et il a fait ça. C'est un grand mime. Il est là, le grand mime, voyez-vous ? Alors, le fait de dire, bon, on travaille sans objet, hein? Bon, quand on improvise, on travaille, évidemment, pour nous, dans une première partie, sans objet,
Mais ensuite, on travaille avec des objets aussi. Mais de travailler sans objet, ça nous fait souvenir de sensations qu'on avait complètement perdues en prenant l'objet. Donc on retrouve la signification sensible de l'objet, voyez-vous ? Alors ça peut devenir un art si l'on veut, mais moi ce n'est pas un art, c'est une économie aussi d'objets en même temps. Stanislavski faisait pareil, hein. Il y avait ça. Il faisait aussi une improvisation sans qu'il y ait d'objet, hein, ça. Et c'est, ça donne un sens de l'espace, hein. Donc la pédagogie, voyez-vous, ce n'est pas une chose directe à la vitrine, c'est indirect. Comme pour entraîner un lanceur de poids, on le fait courir. Et vous ? On dit pourquoi il court ? Il doit lancer le poids. Mais ben non ! Ben c'est ça. Donc ça ricochette et ça se réverbère. Donc c'est une pédagogie de comme ça, mais dont le but, c'est la création dramatique d'un comédien parlant, d'un auteur-acteur. Alors évidemment, il peut y avoir un théâtre qui privilégie le geste. J'aime bien le théâtre du geste. Je préfère un théâtre du geste qu'un théâtre philosophique assis sur un banc. Ça, oui, c'est vrai, ça. Par un désir que j'ai de bouger. Ça, je pense que les jeunes aiment bouger quand même. Alors, le corps humain, c'est quelque chose. Si on savait tout ce que c'est le corps humain, on saurait beaucoup de choses. Donc, il faut être à l'écoute du corps. Alors, on se heurte des fois à des préjugés, à des idées. Quand je parle du corps, je parle de nous. Je n'ai jamais divisé la tête et le corps. Le corps, c'est nous. C'est ça qui est très important. Le corps n'est pas l'instrument qu'on va développer et on va jouer d'un instrument comme on va jouer du pipeau ou du violoncelle. Absolument pas, c'est nous. Et ça, c'est très important de repenser ces choses-là d'une manière globale, sans faire des petites coupures de ce malheureux corps qui est très vivant, qui veut vivre, qui détient toutes les lois du mouvement et dont la loi de l'équilibre. Et ça qui est très important, que le public connaît aussi. Le public connaît les lois de l'équilibre. Il sait très bien si c'est juste, pas juste, s'il s'ennuie, si c'est trop long, si c'est trop court, parce qu'il a le sens de l'équilibre. S'il n'avait pas le sens de l'équilibre, il tomberait par terre. Et ça, c'est très important de reconnaître dans le corps toutes ces grandes lois du mouvement qui organisent la vie et par la suite qui organisent aussi le théâtre dans son jeu. Ça, c'est... Cette première année, elle est fondamentale parce qu'on va étudier tout ce qui bouge. On va étudier les animaux, on va étudier les végétaux, on va étudier... Les éléments, toutes les matières, les couleurs, les lumières, tout ce qui nous apparaît observable. Oui, il y a cette analyse aussi des mouvements qui est très importante et qui se fait en état de neutralité aussi, qu'on appelle l'économie des mouvements. C'est-à-dire, pour mieux connaître les démarches des personnages, on va travailler sur la marche. Et quand on rentre dans la marche, c'est fou. Il y a d'abord l'aspect mécanique de la marche, ensuite, il y a l'aspect dynamique de la marche, les forces qui sont en jeu, l'espace, tout ça. Ensuite, il y a l'aspect dramatique de la marche. Pensez que quand on marche, on se penche en avant et pour ne pas tomber, on marche. C'est formidable, non ? Mais si on explore cette partie d'avant la chute rétablie par le pied, c'est l'angoisse qui existe. Il y a une sorte de heureusement qu'il y a le pied. Ça, c'est l'analyse dramatique. Et puis, une analyse poétique, c'est-à-dire à partir de la marche, alors c'est Rodin, c'est Giacometti. Alors, l'enseignement à l'école est un enseignement sur 2 ans, il y a 2 ans, et ça se passe sous la forme d'un voyage. On commence au début des choses, et puis ça évolue au fur et à mesure. Tous les gens qui viennent à l'école ont déjà 25 ans de moyenne, donc ils ont déjà une expérience dramatique. Et qu'ils aient fait beaucoup de choses ou pas du tout, on recommence à zéro. On recommence par le début. Et nous travaillons sur des thèmes très simples, qui sont des thèmes de la vie quotidienne, avec une improvisation silencieuse,
qui permet de sentir l'espace des choses, la valeur des regards, et que l'on puise dans la vie quotidienne. Et à chaque fois qu'on s'embarque dans des choses qui vont trop loin, il faut toujours revenir à la vie quotidienne. Donc il y a deux sources. Il y a la vie quotidienne et puis la nature. La nature avec sa dynamique, avec ses forces, avec ses mouvements. Ce sont les deux pôles de cette première année. Mais pour rentrer dans ce premier jeu psychologique, et surtout pour rentrer dans le jeu de la nature, il faut un état de curiosité et de savoir recevoir les choses qui vous arrivent. C'est-à-dire d'être, je ne dis pas émerveillé, ça paraît bête, mais d'être en face des choses comme pour la première fois. Donc il y a cette idée toujours de découvrir pour la première fois quelque chose. Parce qu'au début de l'école, on ne parle pas de théâtre, surtout pas. Parce que les gens, si on leur parle théâtre, ont déjà des schémas, des chromos, des tics, ils jouent le premier cabotinage du théâtre, c'est-à-dire ils se croient déjà des comédiens, et c'est pas là qu'est le véritable chemin. Donc une reconnaissance de la vie, et c'est le temps des labourages. On enrichit la terre et on va planter après pour recueillir des choses. J'avais commencé l'école sur deux grands territoires, qui étaient la Commedia dell'arte que j'avais connue, non pas dans les livres, mais dans les marchés de Padoue avec Sartori et tout ça. Et la tragédie grecque avec Strehler au Piccolo Théâtre et à Syracuse. Donc deux grands théâtres qui ont été très présents déjà en 56. Et déjà en 56, j'avais la musique, j'avais aussi l'écriture qui était en jeu déjà. Et s'est développé le territoire des clowns dans les années 60. Les clowns sont apparus avec un grand clown qui était Pierre Bilan, qui est toujours Pierre Bilan, qui était un acteur extraordinaire. Et il m'a dit un jour, je voudrais être clown. Il n'y avait pas de clown. Les petits nez rouges existaient qu'avec Zavatta dans les cirques, dans les vrais cirques, voyez-vous. Et alors, j'ai commencé à faire un travail sur les clowns. Ça durait deux jours, une semaine. Et puis, ça intéressait les gens. Et mon premier... C'est parti toujours de choses très simples. Pour moi, un clown, ça fait rire. Ça fait rire. Alors, j'avais mis les gens en rond et j'avais dit à chacun des élèves comédiens, tu rentres et tu nous fais rire. Alors, c'était désespérant. Et chacun sortait avec une angoisse au plexus terrible. Personne ne riait, c'était tragique. Bon, alors, c'était difficile. Mais quand la personne allait s'asseoir avec ses camarades, la réaction qu'il avait après son fameux bide nous faisait rire. Et il dit, voilà, il est là le clown. Le clown, c'est toi dans ton dérisoire. Et le petit nez rouge a servi à sortir cette naïveté sans devenir un uniforme. Parce qu'à un moment, j'ai eu peur de l'uniforme, trois balles, on jongle, on met le nez rouge, je suis clown. Non, c'est pas ça. Donc il y a un premier clown psychologique qui est comme le masque neutre, mais qui est notre propre dérisoire. Et ça, c'est très riche pour tout comédien de ne pas croire qu'on est beau, qu'on est intelligent, qu'on est le meilleur, le plus fort. Non, on est con. Et cette phase de la connerie humaine, elle est dans le clown et dans chacun de nous. On a toujours une phase brute de décoffrage, comme dirait mon ami Perret, dans la vie. C'est-à-dire une chose où on ne comprend rien, où c'est hermétique, où ça ne passe pas. Et le clown, il est par là aussi. Mais c'est ça qui est important. Bon, alors le clown a pris une proportion, une dimension immense. Bon, alors, tout ça, ça a évolué à l'école. Je ne voulais pas que les clowns restent comme ça, je voulais continuer. Et je suis rentré dans les absurdes, dans tous les comiques qui puissent exister. Je suis un explorateur, si vous voulez. Et ça m'intéresse de comprendre quelque chose là où je ne savais pas. Et c'est en enseignant avec les élèves que je comprends quelque chose. C'est avec eux. Parce que sans eux, je n'arriverai pas à comprendre et à leur dire des choses. C'est très très important, cet enseignement qui est triangulaire. C'est-à-dire que pour parler à quelqu'un, il me faut un ailleurs. C'est dans cet ailleurs que nous nous reconnaissons tous les deux.
pour ça que je suis navré quand on parle de la transmission du savoir. C'est navrant. Je sais, quelqu'un sait quelque chose et va le transmettre aux autres. Dans un import-export, un récepteur-émetteur lamentable. Ça, c'est lamentable, parce que ça nie le phénomène de la poésie. Et ça, il faut s'en méfier toujours de ces choses-là. Et voilà. Alors, c'est en enseignant tout ça que j'ai découvert par la suite les bouffons et puis le mélodrame. Comment c'est venu, ça, les bouffons et le mélodrame ? À un moment, quand quelqu'un dit quelque chose auquel il croit, il y a des gens qui le regardent avec des yeux émerveillés et d'autres qui ricanent dans les coins et qui disent « Mais les cons, qu'est-ce qu'il dit, celui-là » Et vous ? Alors j'ai dit « C'est quand même curieux, ça. » Et on va explorer ces deux tendances. Et on va dire « Voilà, on va se moquer de tout. » Mais de tout. Jusqu'à Dieu. Jusqu'à la famille, jusqu'à tout. On s'est moqué de tout. Et en se moquant de tout, au niveau de notre personne, comme si moi j'étais en veston et je me moquais de vous ou d'autres, c'était pas bien ça non plus. C'était pas bien parce que j'étais pas libre de me moquer. Et c'est là où j'ai dit, ben, il faut un autre corps. Il faut changer le corps. Il faut qu'il soit autrement pour avoir cette liberté de se moquer sans faire du mal à l'autre. Et l'autre disait, ben oui, il est fou. Ça va, mais il écoutait quand même. On rejoignait là le bouffon du roi, évidemment. Et donc, c'est toute cette partie des bouffons, ça a été faite. Et je me suis aperçu aussi que les bouffons pouvaient dire des choses que les autres ne pouvaient pas dire. Et c'est avec les bouffons qu'on a connu pour la première fois le sida. On a bouffonné le sida. Au début, personne ne savait. Et c'est les bouffons qui nous ont appris tout ça. Et ils avaient la parole, les bouffons, que les autres ne pouvaient pas savoir et dire. Et ça, c'était très important. Alors, les bouffons, on a fait la guerre du Vietnam en bouffons, à l'époque où c'était bon. Et en même temps qu'on faisait les bouffons de la réalité, il s'est produit un événement tragique en même temps. Et on arrivait à sentir quelque chose qui était très formidable. C'était le mystère même des choses. Et les bouffons sont devenus des bouffons du mystère, des bouffons de l'impossible, de l'invisible, voyez-vous. Et ça, c'était une grande région qu'on a explorée. On se demandait d'où venaient ces bouffons. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils apparaissaient ils arrivaient par le toit, ils arrivaient par le sous-sol, ils arrivaient dans des endroits différents. Et il nous parlait de quelque chose, il savait des choses de nous, et vous, et nous ne savions pas d'où il venait. Alors on a commencé évidemment par une sorte de bouffon religieux, si vous voulez. Hein. C'était un peu religieux, mais c'était aussi une faille de tomber dans la religiosité des bouffons. Mais ce sont eux qui pouvaient parler de Dante, qui pouvaient parler des grands textes fondateurs, c'est-à-dire parler de l'invisible. Voilà. C'est-à-dire, ceux qui maintenant sont les plus près de tout ça sont les scientifiques. Alors, je suis très près des scientifiques. Mais des scientifiques qui sont à la frontière de la connaissance. Pas les scientifiques du retour de vague. Parce qu'ils sont délirants, les scientifiques. Ils inventent, ils fabulent. Et c'est passionnant de voir ça. Ils voudraient savoir, mais ils ne savent pas, alors ils inventent. Et après, ils confirment, et puis ils font le retour de vague derrière. Oui, c'est ça le mystère pour moi. Ben, le mystère, c'est facile, il n'y a qu'à regarder là. Hein, vous regardez le ciel, et vous me donnez une réponse, c'est ça. Et vous, c'est dans ce sens-là. Nous faisons des approches dramatiques. C'est-à-dire, les textes dramatiques sont approchés dans la deuxième année, en fonction des territoires explorés. Alors, chaque territoire amène des grands auteurs. Hein. Mais c'est pas un théâtre assis que je fais. Hein. Parce que des jeunes comédiens de 20 ans qui s'assoient pour jouer au théâtre, il faut mieux pas. Il faut mieux qu'ils fassent un théâtre, ils sont actifs. Et quand ils seront plus vieux, ils auront gardé les traces, les souvenirs des mouvements pour mieux jouer la parole. Ça, c'est très important. Approche de la peinture,
approche de la poésie, approche de la musique et approche de l'architecture. Parce qu'en plus, je peux le dire, j'ai été professeur en architecture pendant 20 ans. Mais pas pour eux. Ils n'avaient pas bien compris ce que je venais faire là-bas. Ils me disaient, alors vous faites du... Moi, non, je construisais des laboratoires médicaux, j'ai travaillé sur la plaine Saint-Denis, et vous ? Évidemment, j'ai découvert avec les architectes l'espace construit, les structures, jusqu'à l'abstraction. Et ça, tout ça, plusieurs que j'ai des expériences, ça rentrait dans l'enseignement, et vous, c'est ça. Et Rachid, tu veux grimper dedans ? Grimper dedans ? Tu grimpes dedans. Grimper dans côtés, à la tour Eiffel par l'extérieur, tu vois, c'est ça. C'est une idée de... C'est pas un combat, c'est une grimpe dedans. Tu te sers de point d'appui, si tu veux. Vas-y, c'est une ascension, vas-y. Voilà, allez, grimpe dedans. C'est ça. Et trois prises. Et hop, pivote. Faites pivoter le truc. Faites remonter la pointe. Oui, c'est ça. Là, allez. Et rentre. Tourne aussi avec. Tout ton corps, allez. Oui, oui, oui. Là. Et ça pivote. Oui, c'est ça. Et tu rentres dedans. Vas-y. Oui. Voilà. Attention, faut pas l'abîmer. Oui. Et t'as des ailes maintenant. Vas-y, cours en avant. Cours en avant. Cours, cours. Vas-y, comme une chauve-souris. Vas-y Rachid, chauffe. Il y a du radar, il y a tout dedans, tu comprends? Alors évidemment, les théâtres que nous faisons à l'école, il y a une contrainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, nous, une tragédie entière ou une pièce entière. Mais on a un langage. On travaille sur des langages. À partir du mouvement des langages, qui sont des langages, des mimages ou des fulgurances de gestes qui permettent des raccourcis dans ce que l'on veut donner, voyez-vous. Donc il y a une étude technique sur le langage aussi qui est faite. Ça se mélange un peu peut-être quand je vous dis tout ça, mais c'est très organisé. C'est-à-dire que je sais exactement la leçon que je vais faire dans 3 mois. Je sais. Mais on dit, alors c'est complètement... Mais non. Non. Parce que quand on fait une leçon sur l'arbre, c'est l'arbre qui est intéressant. Mais il faut rentrer dans l'arbre, il faut le connaître. C'est très facile de donner un thème en disant tu fais l'arbre. Mais qu'est-ce qu'on va dire après? Et c'est là que ça se passe. Alors là, évidemment, plus on connaît, plus on s'intéresse aux choses, alors tous les professeurs s'intéressent à l'arbre et aussi au poète. On fait la foire à la poésie. À l'école. Comme on a 30 nations ensemble, chaque élève de chaque pays apporte un poème, un poète qu'il préfère, et il va nous le lire en langue originale, et il va nous le transmettre. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas transmettre par le langage parlé, par une traduction, la poésie. C'est impossible. Alors comment faire? Alors on le fait par le mouvement. Alors c'est là où, à quel niveau de mouvement on le fait? On le fait au niveau d'une dynamique, d'une mimodynamique du poème, par l'espace, par le rythme, par quelque chose que l'on va transmettre. Alors par exemple, si je prends Pasolini c'est ça? Non, c'est pas ça. Pasolini c'est ça, c'est quelque chose comme ça, hein? Qu'est-ce que c'est que Artaud? Artaud c'est pas ça. Artaud c'est ça et c'est ça, mais il peut pas aller au bout de la diagonale. Alors il se produit. Je simplifie là, hein? Je simplifie. Mais chez Guy Vic, par exemple, il y a une force de matière. Si je fais du Guy Vic comme ça, c'est même pas la peine d'insister. Hein? Il faut donc rentrer dans le corps. Donc on fait un corps à corps avec les choses, corps à corps avec les mots que l'écriture peut déplacer, évidemment. Attention, hein? Mais le corps à corps avec les mots. Quand on dit un élève, mais qui se souvient qu'un élève, c'est quelque chose qui s'élève. Et quand il y a un élève, beaucoup voient un cancre, non? Un mauvais élève, zéro, toi, non? Mais c'est un merveilleux verbe, élever, j'élève. Mais c'est pas ça, je soulève.
élevé, c'est partir de là et de faire... Hein? Et de faire ça, c'est pas élevé. Ça, c'est transporté, ça. Donc, chaque verbe a une dynamique à comprendre. Alors, une chose intéressante, j'ai cherché la dynamique des langues. Je prends le verbe prendre. Bon, en français, prendre. Alors, si on prend, on cherche la dynamique du corps de ce verbe-là, je prends. Donc, je fais corps avec, ça fait un. Je prends, c'est à moi. Bon, si on dit, bon, on va traduire en anglais, I take. Qu'est-ce que font les Anglais? Ils font I take. Ils arrachent. Alors, quand on va traduire I take par je prends, c'est pas le même corps. C'est assez étonnant. Et que font les Allemands? Dis-moi. Ich nehme. Ich nehme. Qu'est-ce qui fait la dynamique de ça? Ils font ich nehme. Ils ramassent. Que font les Italiens? Qu'est-ce qu'ils disent, les Italiens? Io prendo. Ils vont prendre avant que quelqu'un l'a pris. Alors, il y a une dynamique comme ça. Donc, le corps choisit quelque chose. Et vous, c'est intéressant. Alors, il y aurait toute une étude à faire sur les verbes, sur la parole, comme ça. Et alors, à force de travailler à partir du corps, mes Coréens qui sont à l'école, ils parlent très bien en allemand aussi, quand ils disent « ich nehme ». Parce qu'on leur a donné la dynamique du mouvement. Prenez-vous? Je vois que si tu avais eu les moyens, oui. Ah bah oui. Il y aurait eu une troisième année à l'école. Oui, non, parce que là on a, il y a la contrainte de l'école où je suis. Mais si j'avais les moyens, l'école durerait 4 ans. Elle durerait 4 ans. Mais on ne peut pas. Qu'est-ce que serait la troisième année? Qu'est-ce que serait la quatrième année? La troisième année serait l'écriture, et puis justement l'interprétation des textes, mais avec Vitesse. Quand Vitesse était à l'école, on n'a pas aimé ce mot d'interprétation, et on l'a changé en disant c'est pas ça. On va faire une approche des textes, donc une approche au plus près du texte, avec beaucoup de respect au texte. Et donc, Vitesse avait l'intelligence du texte remarquable. Donc, c'est le texte qu'on va aller le chercher, comme on va chercher un corps vivant, voyez-vous. Ça, c'est important. Et ça sera, là, cette troisième année. Alors, ensuite, là, les metteurs en scène qui ont des idées différentes sur le théâtre d'aujourd'hui et tout ça, et dont le comédien doit changer de metteur en scène, ne doit pas être avec un même metteur en scène tout le temps. Il change. Là, c'est la quatrième année qui est presque, si vous voulez, une pré-compagnie. C'est dans ce sens-là, si on avait les possibilités. Mais je pense, je commencerai par le silence. C'est très important de se taire pour mieux parler après. Ça, c'est très important. C'est le silence qui fait réfléchir la parole. Ça, je crois que c'est très important. Alors, on dit, oui, alors, je suis venu. C'est comme les gens qui viennent aussi à l'école, ils viennent, je voudrais être clown. Alors, ils ont déjà le faciès, le chapeau, je ne sais pas. Donc, avant de faire le clou, tu feras du masque neutre. Ça les emmerde. L'école, elle est une école de création dont les groupes sont les premiers, si vous voulez, réalisateurs. C'est ça. On tient sur des valeurs qui n'ont pas d'époque. Voyez-vous? C'est ça qui est intéressant. Il faut que les... Bon, alors, quand on les exprime par un langage, évidemment, alors le langage change aussi avec l'époque. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vite maintenant à comprendre un langage d'image, par exemple. Bon, ben, les élèves reflètent ça. On va plus vite à faire certaines choses. Mais le côté sacré... Je suis un paysan, vous savez. Côté sacré, je suis un jardinier, un cuisinier et un explorateur, d'abord. Voilà, ça m'intéresse de connaître. Alors, évidemment, le mystère existe. Mais je suis très lié à la poésie, si vous voulez. Et ça, pour moi, ça compte énormément. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transcendance du réel. Quelque chose qui nous emmène plus loin. Qui nous fasse rêver, mais au sens qui nous agrandisse, dans ce sens-là.
Voilà. Mais j'ai besoin de la vie comme elle est, de la reconnaître avant. C'est très important, ça. Pour ensuite en faire une autre, plus belle. Donc, il y a un fond poétique à l'école. Chaque semaine, hein, à partir du premier jour, ils se forment en petits groupes. Et on leur donne un thème. Le premier thème, c'est une provocation. Hein, par exemple, on leur dit, c'est facile le premier thème, un lieu, un événement. C'est beau, non? Enfin, quelque part, il se passe quelque chose. C'est le thème. Alors, ils se mettent en groupe. En groupe de cinq, ça dépend des... Et puis, ils vont nous faire quelque chose, et vous, et qui va être vu en fin de semaine. Et la critique que l'on va faire, c'est pas sur leurs idées, ça va être sur le fonctionnement dramatique. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est signifiant ou c'est vivant? C'est important, ça. Et voilà. Donc, on va jeter un regard sur les choses, mais pas un regard d'opinion. Et surtout pas un regard du bien et du mal. C'est bien et c'est mal. Parce que l'erreur, elle est nécessaire. Et c'est en corrigeant des erreurs, hein, des erreurs ou des soi-disant erreurs, que l'on avance. Mais c'est fait en groupe, collectivement, voyez-vous. Et chaque semaine, il y a ça. Donc, ils vont être habitués à créer ensemble. Mais ce qu'ils vont créer, c'est des choses qui les intéressent, eux. Par exemple, le thème de l'Exode que j'avais fait il y a très longtemps avec Dasté, après la guerre, à un moment, je l'ai voulu le refaire à l'école. Ça ne marchait pas, ils rigolaient. Mais maintenant, c'est un thème qu'ils souhaitent. Mais ils ne font pas l'Exode qu'on faisait chez Dasté. C'est autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est en face de la création permanente. À partir de fondements... Ou de permanence. Ça qui est bien. Alors on a des surprises à chaque fois. Tout est différent chaque année. Et les élèves qui retournent voir des camarades nouveaux, ils disent, mais est-ce que ça change? Ben, c'est le monde qui change. Mais un arbre, c'est toujours un arbre. Et un cheval au galop, il court toujours pareil depuis les Grecs jusqu'à maintenant. Voyez-vous, ça qui est important. Donc on a des références qui nous permettent de faire des grandes dérives. Cheval au galop, il court toujours pareil depuis les Grecs jusqu'à maintenant. Voyez-vous, ça qui est important. Donc on a des références qui nous permettent de faire des grandes dérives. Donc c'est l'idée même du point fixe, d'un point fixe qui nous permet de mieux connaître le mouvement. Et ce point fixe, il bouge. C'est ça le formidable, il bouge. Parce qu'il a l'humour des fonds. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. Quand on rentre dans le mouvement, on touche quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, le mouvement est déposé dans le corps humain même, mais il s'organise tout. Une école de mouvement, c'est une école de mouvement des idées, de mouvement des passions, des sensations, tout. Voyez-vous, tout bouge. Et c'est par ce côté-là qu'on explore.